Pierre qui, comme nous tous ici, a adoré Adieu les cons, qui est sorti une première fois le 21 octobre au cinéma et qui a fait un démarrage canon, 700 000 entrées, avant que tous les cinémas ferment 9 jours plus tard, le 30 octobre. Vous êtes dit quoi? Vous avez eu envie de dire adieu les cons ou... Non, il y a des malheurs plus grands. Voilà, la planète est en train de suffoquer de notre esprit. Notre ego est un peu suicidaire. Voilà, donc c'est un dommage collatéral. C'est un peu ce que raconte le film, malgré lui. Il était tristement prémonitoire. Voilà. Il faut rester philosophe. Ouais. Oh oui, largement, mais on y arrive. Mais il y aura une deuxième chance. Peut-être, peut-être. Le 15 décembre, même si rien n'est encore sûr. Et oui, voilà. Mais vous restez calme. J'ai plus l'âge de la bière tube, voilà. je profite. Ce film fait écho au monde et à ses dérives un peu kafkaïennes. Il y a le Brésil là-dedans. Complètement, c'est un dommage collatéral de Brésil, ce que m'a dit très gentiment Terry Gilliam, qui est venu faire un petit coucou dans le film. Et parce qu'on en a tous quelques exemples de situations totalement kafkaïennes depuis le début de cette crise épidémique, qu'est-ce qui vous a laissé le plus perplexe? Les rayons de livres en librairie entourés de cellophane, les stations de ski qui sont ouvertes mais les remontées mécaniques qui sont fermées, les grands magasins ouverts depuis le 6 décembre et les cinémas fermés. C'est très très en amont. Comme je disais, je commence à prendre de l'âge. Ça fait 40 ans que j'entends parler de réchauffement climatique, d'épidémie et tout. Donc je suis très étonné que des gens arrivent au pouvoir en manifestant. On n'ait pas lu les mêmes livres que moi ou vu les mêmes documentaires que moi. Moi qui suis plus vieux que le président de la République. Quand même, donc ça depuis mes études en médecine, j'entends parler d'épidémie. Donc, milieu des années 80, voilà. Donc, je suis surpris que ces gens-là n'aient pas eu l'info. Voilà. que ce soit pas arrivé jusqu'à eux. Oui, c'est très bizarre. Voilà. Je pense qu'il y a une élite qui s'entretient dans une éducation qui n'est pas altruiste, qui n'est pas vraiment tournée vers les autres, qui est dans une compétition avec eux-mêmes, justement. Et cette information n'est pas arrivée jusqu'à cette élite-là. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'ils font partie des cons auxquels Jean-Baptiste Puchas veut dire adieu? Il les incarne bien. Mais ceci dit, quand on dit adieu les cons, je parle de vous, je parle de moi, et quelque part de la bêtise qu'on a en soi. Et je nous excuse parce qu'on a fait l'école, et l'école souvent nous éduque vers cette bêtise. Elle nous apprend la collectivité beaucoup plus que nous apprend l'aventure intérieure, qui est celle finalement qui nous occupe toute notre vie. Elle nous met dans la compétition très tôt, elle nous inculte des valeurs qui ne sont pas forcément les bonnes. Voilà, c'est pour ça que je me pardonne en pensant que j'ai fait l'école, donc ce n'est pas de ma faute. Voilà. Si je suis un peu con. Vous aussi. On est pardonné. Voilà, vous avez tous fait l'école, vous êtes pardonné. Ouais. Mais si on n'a pas fait l'école, qu'est-ce qu'on veut? On a une chance d'être autodidacte, on a une chance d'être plus à l'écoute des autres, et surtout de comprenez la religion, les marchands, la politique, c'est des gens qui nous éduquent très tôt dans notre vie et qui transforment notre goût, notre perception des choses, et c'est une vraie tragédie. Voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce que la planète fond, et ce qu'elle chauffe et elle fond, parce qu'on est dans un ego qui n'arrive pas à s'arrêter. L'école, elle a rien de bon parce que autodidacte aujourd'hui avec Internet, je suis pas sûre toujours du résultat. Ça dépend de ce qu'on va chercher sur Internet. Il y a des choses très intéressantes. J'ai vu des grands économistes, je pense à Gaël Giraud, je pense à un grand climatologue, Jean Covici, que je ne connaissais pas. C'est Internet qui m'a apporté la connaissance de ces gens-là depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc ça dépend, on peut tout trouver sur Internet, le pire comme le meilleur. Alors après, c'est à son esprit critique de faire le tri. Et ça, avec un peu d'éducation, ça arrive. Mais l'éducation, ce n'est pas forcément l'école. L'école nous éduque. Les parents, effectivement, la lecture, l'éveil, et surtout tout justement l'amour qu'on peut recevoir autour de soi. Et l'amour, ce n'est pas éduquer, ce n'est pas aimer. Aimer, c'est écouter l'autre, c'est le regarder. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été éduqués, mais qui n'ont pas été écoutés. Des fois, ils finissent à l'Élysée. Voilà. Ben voilà, comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait, voilà. Exactement, le message est passé. Pierre. Alors, dans votre film, les cons sont nombreux. Oui. Il y a l'administration, la police, les patrons, les cadres dirigeants, j'en oublie. En comptant, je ne m'exclus pas. Hein. Je mets dans les cons aussi. Hein. L'auteur aussi est un peu Vous avez été cadre, d'ailleurs, dans le film, vous avez envie d'en finir. Le film, il a été écrit 2 ans avant les Gilets jaunes. Presque 3, ouais. Presque 3, ouais. Mais déjà... C'est prémonitoire, le rond-point est important pour vous, c'est là que vous retrouvez Virginie Efira. Le rond-point, historiquement, il faut savoir que dès le Moyen-Âge, le rond-point était un lieu de rendez-vous où les gens protestaient, il faut le savoir. Dans les forêts, s'il y a des ronds-points, c'est là où les gens se retrouvaient. Donc historiquement, ces ronds-points, c'est le rassemblement quand les gens protestaient. Après, le film est prémonitoire, oui et non. La grande tragédie de l'histoire, c'est qu'elle se répète, et forcément, elle se répète. Et on parle des violences policières, les violences policières, elles existaient avant que je naisse. Mon père m'avait dit... Quelques années avant ta naissance, il y a eu des charognes, des manifs terribles, il y a eu plein de morts. Quand j'étais jeune adolescent, jeune adulte, il y avait un gamin qui s'appelait Malik Oussekine qui était mort dans une manif. Et puis là, ça continue. Je pense que dans 10 ans, on en parlera encore. Donc quand un gouvernement n'arrive pas à diriger, n'arrive pas à parler, n'arrive pas à communiquer, il se réfugie dans l'autorité. Et c'est un peu la tragédie qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je n'accuse pas ce gouvernement plus qu'un autre. Ça fait des décennies que ça existe, encore une fois. Voilà. Donc il est prémonitoire, mais c'est bien malgré moi. Je ne suis pas visionnaire. Et justement, vous parlez de la violence, des violences dans les manifestations. Le personnage le plus décalé du film et un des plus bouleversants, c'est Monsieur Blin, interprété par Nicolas Marié. Il joue un archiviste devenu aveugle après une bavure dans la police. On en rit et on en pleure de son histoire. Toute ressemblance avec des personnes existantes est évidemment évidente. C'est Nicolas Marié qui joue l'archiviste et quel rôle? Nicolas y est à la fois drôle, tragique, bouleversant. Il l'est aussi quand il parle de vous, et là, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Ah bon? Il y a un dérapage permanent chez Albert dans les personnages qu'il nous propose.
qui, moi, a fait mon bonheur. C'est un type original, c'est un type qui a une culture cinématographique énorme. Et puis c'est un créateur, Albert, qui m'est arrivé plusieurs fois de lui dire, écoute, non, oublie-moi, je ne saurais jamais le faire, ton truc. Chaque fois, il m'a rappelé. Il ne dira pas, je t'aime, Albert. Mais il sera fidèle pendant 30 ans. En me disant, j'ai l'émotion qui monte. Non, c'est un mec que j'aime bien. Pardon. T'as vu le regard, regard de Nicolas, tu commences à vieillir. Mais il vous dit qu'il vous aime, on ne se le dit pas assez. C'est largement réciproque, ouais. C'est un grand acteur, Nicolas, et qu'elle seul tort, c'est de ne pas vouloir le reconnaître. Voilà. Donc, il se rue dans pléiade de couillonnades à la télé, etc. Et je lui dis plein de fois, dit, mais arrête de faire ces daubes. Et, non, mais il faut qu'il travaille. Mais c'est vraiment que des daubes. Oui, souvent. Il n'y a rien à sauver. Mais il l'assume, mais, vu, non, mais de son point de vue, attendez, de son point de vue, il faut qu'il travaille. Voilà. C'est-à-dire que s'il ne travaille pas, mais même, on peut aussi travailler. Puis, un peu comme pour manger, on n'est pas forcément d'être tout le temps au McDo. On peut de temps en temps jeûner un peu pour l'amour. Mais c'est bien que les téléspectateurs qui c'est un super acteur, peuvent pas aller au cinéma profitent de son talent. Ouais, mais c'est dommage de filer du caviar au McDo. Voilà. Et ce mec, c'est un caviar. Donc voilà, je trouve qu'il faut se préparer à avoir du caviar. Je suis contente de manger du caviar que je peux pas m'offrir à Albert Dupontel. De toute façon, c'est dégueulasse le caviar, j'aime pas ça. Ah bon, je sais pas, moi je connais pas. Mais je parlais du caviar d'acteur. Oui, mais il faut pouvoir le goûter, il faut, quand même, faut bien préparer le plat. Oui, faut qu'il y ait un écrin. Faut qu'il y ait un plat, faut qu'il y ait un grand chef. Et lui, c'est un grand ingrédient pour un grand chef. Quand je dis ça, je parle pas de moi. C'est un super acteur. Moi, je l'ai vu sur scène, il est extraordinaire. Je l'ai découvert mais tout début dans une matinée classique assez modeste dans l'ambition on va dire de la profession, et il était extraordinaire de précision, de rigueur, de justesse, et c'était vraiment un exemple pour moi. On en a besoin dans plus de téléfilms, je maintiens. Bon, Albert Dupontel, continue alors Nicolas, continue. On aura dit tout et son contraire, voilà. T'inquiète pas. En tout cas, votre film, à vous, il est magnifique, il est fort, il est intense, on peine à reprendre notre souffle, on est ému, on est transporté, on est emporté. C'est ma petite sœur, je précise. Il y a un air de famille. Vous faites des films courts. J'ai regardé toutes les distances. 1h27 pour celui-ci. Parce que vous jetez énormément. Par exemple, vous faites une scène, elle ne vous plaît pas, hop, vous jetez sans, c'est plus subtil que ça. Sans état d'âme. Je suis moins sûr de moi que ce que vous évoquez. Elle ne vous plaît pas, ça se passe pas comme ça. D'abord, je soumets beaucoup le travail à plein d'autres gens, le monteur, l'assistant monteur, la productrice, souvent les gens de l'équipe. Et en fait, il y a l'histoire génère un rythme. C'est une histoire assez improbable. Elle est cohérente émotionnellement, mais elle est totalement incohérente narrativement. La probabilité que ces gens se rencontrent et qu'il se passe ça, c'est impossible. Donc forcément, j'ai tendance, pour ne pas me justifier, à aller assez vite, ayant en plus un tempérament assez frénétique. Donc après, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Pendant le tournage en tant que tel, on réécrit des fois des scènes, parce qu'au rush, j'ai monté la scène, elle ne fonctionne pas. La scène d'ouverture avec Bouly Lanners, l'excellent Bouly Lanners, en fait, il y a eu deux autres scènes qui ont été tournées avant et qui fonctionnaient désespérément pas. Et donc j'ai retourné cette scène dans un décor identique qu'on trouve plus tard, je vous dirai pas lequel. Mais je l'ai retourné parce que c'était cette scène-là qu'il fallait faire. Je m'en suis rendu compte en cours de tournage. Donc c'est quelque chose. Il y a une vraie errance intellectuelle que j'assume, mais je suis vraiment aidé par rapport aux gens. Et donc ce schéma d'un film court, encore Corvalao était à 1h50 quand même. Ouais, c'était assez court pour le bouquin de 600 pages. Mais je vous dis, il y a à la fois une frénésie de tempérament et puis il y a une évidence. Souvent les films montés en cours de montage, je le montre au public. Et je vois bien que tout d'un coup, quand il réagit, c'est bien leur film et plus le mien. Ouais. C'est pas qu'il réagit, c'est tout d'un coup, c'est plus le mien. Il s'approprie le film. Absolument. Nicolas Marié disait qu'il y avait deux fins. Oui, il y en a même trois. Vrai, ouais, ouais. Trois. Elle était contente, la productrice. Ouais. Il y avait une fin c'est formidable. Que vous n'avez pas choisi. Non, mais on a beaucoup tourné. Cette fin, j'y croyais pas une seconde. Donc, je l'ai expédié un jour J. Et puis, le lendemain, je dois faire la vraie fin. 47 plans, 3 caméras. On est parti en plus la semaine suivante dans la Drôme pour faire. Puis, ça marchait pas du tout. Donc, troisième fin, celle je me suis fait gronder par la productrice. Je me suis dit, de l'argent que tu as gâché. Oui, je ne savais pas. Voilà. Elle est belle, la fin que vous avez c'était choisi. C'était la première. Elle la première. Elle était dictée par la phrase de Ravel, il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Qui est une phrase qui me hantait à l'écriture, elle s'est imposée très rapidement, trop rapidement, d'où, comme je suis un mec qui doute, je me suis exactement. Oui, les hésitations.